Je précise. Ceux qui ont des problèmes d'yeux. Soit tu ne vois plus bien. Ou soit. Mala. Tu as souvent des douleurs dans les yeux. Et tu n'as pas l'argent. Awala chede. Tu n'as pas les moyens. Awala tabare. Pour aller à l'hôpital. Gamha ya docteur. Pour acheter des lunettes. Gamha asoda kadi nuledi. Si tu n'es pas dans ce cas, il faut t'asseoir. To ana wala kadi nyau mando ajodo. Si tu n'es pas dans ce que j'ai décrit, il faut t'asseoir. To awala hakomido wolwado afoti ajodo. Si tu es dedans, reste debout, mets ta main sur tes yeux. To adon doman afoti kadi ajoi na jungo mada hagite. Amen. Père, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Nous te bénissons pour l'œuvre qui a été accomplie à la croix. Seigneur, ta parole dira à la croix. Tu as pris nos maladies à la croix. Tu as pris nos douleurs à la croix. Tout esprit qui trouble vos yeux, nous les ordonnons maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, libérez les yeux, libérez la vue. Au nom de Jésus, que la vue s'éclaire. Au nom de Jésus, nous réprimandons le mal. Que tout ce qui tout mal parte au nom de Jésus. Libérez les yeux au nom de Jésus. Libérez les yeux au nom de Jésus. Nous proclamons la guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Parce que le prix a été payé. Pour qu'il soit guéri, Seigneur. Merci parce que le sang a coulé, Seigneur. Pour qu'il reçoive cette guérison. Merci Seigneur. Parce qu'ils sont rachetés. Merci Seigneur. Parce qu'ils sont complètement purifiés. Les yeux sont purifiés. Au nom de Jésus. Jésus, vous allez voir à partir de maintenant. Comme vous ne pouvez pas voir hier, vous allez voir à partir de maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour vous qui voyez flou, essayez de regarder ou ne pouvez pas regarder. Essayez de regarder dehors, essayez de voir loin. Le Seigneur a guéri plusieurs d'entre vous pendant qu'il priait. Wow, on peut acclamer Jésus. On peut acclamer Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, bonsoir. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il vient de faire dans ma vie. J'avais les problèmes des yeux. Souvent quand je lis tellement la Bible, ça, c'est comme si c'est flou. Mais maintenant, quand l'homme de Dieu a prié et il a dit de regarder, pendant que j'étais en train de regarder, c'était flou. Mais à partir de quelques temps, je vois que c'est devenu clair. Donc je bénis le Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Bonsoir, bonsoir peuple de Dieu. Ouais, merci beaucoup, je rends grâce à Dieu. Oui, j'espère le frère Jacques. Oui, m'a témoigné hier. Je lisais et j'étais bloqué. En lisant, je bloque. Oui, mais maintenant je suis vraiment comment je lis ici. Banani jota milari banano mi jangi hado. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que avant qu'il le prie, tu ne pouvais pas lire ça. Oui. Et quand il a fini de prier, tu arrives à lire. J'ai vu ici, mais lui, il ne m'a pas constaté quand je le voyais. Ah, gloire à Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, encore une fois, bonsoir au nom de Jésus. Amen. Je sens qu'il y a une nette amélioration. Parce que avant, je faisais juste un effort pour voir comme avant. Parfois,
quand c'est un peu flou, surtout quand j'ai lu la Bible, je mets des lunettes. Mais maintenant, je sens que cette perturbation a disparu, puisque je vois clair. Gloire à Dieu. Amen. Pour moi, ça fait 5 ans que je ne vois pas bien. Donc, depuis que Kusereki, mes yeux ne voient pas. Donc, je sais un tailleur coutumier. Pour que je dois mettre le fil dans l'aiguille, j'ai fait 30 minutes. Et je me fâche, je lèche. Jusqu'à que ça ne va pas. Donc j'ai vu un ami procureur. Que j'ai posé avec lui. Il a enlevé son argent. Allé à l'hôpital. Consulté. Je me suis consulté et on m'a donné le verre. C'était 25 000. Dès que j'ai pris dans le lunette. Il est en train de m'utiliser. Je travaille avec. Donc, ça a diminué. Je ne vois pas clair. Donc, l'œil était cassé. Maintenant, je viens ici en Gambe. Foucoudo. C'est un problème. Pour aller me consulter, je n'ai pas l'argent. Je suis allé voir là où on va le faire. On m'a dit que c'est 25 000. Bon, j'étais au marché. Et j'avais ça. C'est à 1000 francs que j'ai acheté. C'est pour cela que j'utilise. Et des fois j'ai mal à la tête. Mais je vais faire comment? Comme il n'y a pas l'argent, c'est ça que j'utilise. Et maintenant, ça fait déjà 3 semaines, ça ne se voit pas. Mais dès que je suis assis, avant qu'on comprenne, je vois l'alphabet ici, là, c'est un peu sombre. Je ne vois pas clair. Mais dès qu'on a prié, maintenant je vois clair. Vous voyez? Je vous dis que je vois clair, le rose, le clair, la jaune, rose, je mets maintenant là, je vois clair. Donc, gloire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur m'a délivré. Que le Seigneur m'a délivré. Je remercie Dieu beaucoup. Merci. 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 Alléluia. Gloire à Jésus. Te dungala almasiu. Je rends grâce à Dieu parce que Dieu m'a délivré de mal de yeux. Parce que le mal de Dieu, je peux dire que depuis l'enfant. J'avais toujours le problème de ça. Jusqu'à le moment que Christ m'avait visité. Le moment où j'ai commencé à apprendre à lire la Bible. Je n'arrive pas à lire. Parce que le moment dès que j'ouvre la Bible est blanc frappe mes yeux. Bananito mi futi jangu go deftere ni kadi gite kamdo nawa. Dès que la lumière est dans la chambre, je vois mes yeux me faire mal toujours. Même si c'est le matin, je sors, le soleil frappe sur le tôle, je ne peux pas voir. Par l'amour de Christ, Christ m'a guéri ce soir. Je lève mes yeux pour voir l'ampoule. Oui, le moment que notre frère nous disait que tout le monde qu'on a prié pour les yeux. On lève la tête pour voir dehors les choses qui sont blanches, pour voir comment qui... qu'on a reçu la guérison. C'est comme ça que j'ai levé ma tête pour voir l'ampoule qui est devant moi. C'est là que je suis constaté que je suis guéri. Bien-aimé dans le Seigneur, bonsoir.
Je rends grâce à Dieu pour cette merveille qu'il a fait pour moi. Je peux dire depuis quelques années, je ne pouvais pas voir et j'ai le mal des yeux. Bon, depuis, on peut dire depuis 2006 comme ça. Quand j'étais au village, il y avait les vers qui étaient même dans les yeux là, on avait enlevé un avec les gui. Comme on n'a pas pu enlever le deuxième, ça s'est multiplié dans les deux yeux. Et quand, des fois, je ne porte pas les lunettes une journée, quelques jours là, j'entends comme si on avait versé le sable dans les yeux. Et même quand je regarde la lumière, je ne pouvais pas regarder la lumière avec les yeux comme ça. Il faut que je mette les lunettes parce que ça frappe. Et maintenant, je peux voir la lumière. Ok, merci. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Ira ben der almasio misani on. Ça faisait presque deux ans. J'avais les douleurs au bras. Wadi dubi didi midon nomari naudum ha jungo am. Et moi je me disais que c'était le froid. Min midon no numayo dum pe wolondo no wada mi bananino. Parce que je lavais les habits. Gamin midon no lota lumse. Ce froid là qui avait attaqué mes doigts. Midon no numaka didum pe wolondo ngiam no jungo. Mais par la grâce de Dieu ici, le serviteur de Dieu a donc interpellé cela. Be mo ere jaumira o kadie ku ando jaumira o wolwi do ma du Kenya. Et je me suis reconnu dedans. Et min mi larti hore am dum min be wolwanta. Et quand il m'a demandé de venir me mettre devant. Ya ko yami min mi warano mi daro ha yeso hado. Quelque chose me disait que ce n'était pas moi. Wonde fere do wiya hander am na dum min. Mais j'ai bravé cela et je me suis. Amma min ka mi yummi mi wari. Et quand il a prié. Ya ki o tori ngamam. Depuis hier là, cette douleur là, je ne les ai plus ressenti. Igam Kenya ka di naudu madomi walana du kofai. Yoa, moi c'est en foufou. Dès que je veux parler, hein, tu vois. Et j'avais tellement mal. Ce mal-là, je suis même allé à l'hôpital et on m'a dit que j'étais pas malade. On ne voit pas un mal, mais on me donne toujours des ordonnances, je pars acheter. Quand j'achète même ces produits, je prends, mais ça ne va toujours pas. Je sens au niveau de mon cœur comme un gros caillou. Et même au niveau également de mes côtes. Je ne pouvais même pas faire quoi que ce soit. Et juste au niveau de mon dos. Et c'était ainsi que hier on a prié pour nous qui étions malades. Et on a demandé de mettre la main là où l'on sent mal. J'ai mis donc bien la main au niveau, n'est-ce pas, de mes côtes. Mais au niveau du dos, ma main ne pouvait pas y arriver. Et quand je suis rentré hier, quand nous avons fini la prière, je me suis couché. Le sommeil m'a pris légèrement. Et j'ai vu comment quelque chose est sorti. Au niveau de mes côtes et au niveau également de mon cœur. Voilà, cette chose-là est un peu comme les singes, les gros singes-là. La tête comme la tête d'un être humain, mais ce n'est non plus la tête d'un être humain. Et son corps est rempli de poils, tout est noir.
Il m'a donné cette chose, m'a donné, m'a tourné le dos. Pendant que je faisais un effort pour voir la face de cette créature là, et c'est comme ça cette chose là est sortie dans le vide et est partie. Alléluia. Avant cette prière, quand je me couchais, je ne pouvais pas me retourner. Mais hier, je me tournais comme je voulais. Gloire à Jésus. Je rends toute la gloire à l'Éternel et je bénis le Seigneur. Alléluia. Chers frères et sœurs en Christ, soyez bénis ce soir une fois de plus au nom de Jésus. Hier, j'étais un homme colérique. Kenya min milati neddo modon no mari metta beram deram. J'étais quelqu'un qui se bat pour avoir. Min milati neddo momido habda be sembe am gam hami heba. Et lorsque je prêtais et qu'on ne me remboursait pas. Ya ke to hande mi hokki nyamande ha goddo to goddo man hokkitayam. Ça m'a tristé le cœur. Dum don do mettina mi bernde ma sitin. Ça me mettait en colère. Don no wada bernde am do metta ma sitin. Au point où je demandais à Jésus. Ha ya ke fere ma mi do yama ha Yesu almasiu. Si ce que je faisais était mal. Ko mi don no wada do dum ha naino. Mais lorsque le serviteur de Dieu Amande kuando babirao jomirao Kenya a parlé à un frère ici hier. O wolwika diha derirao fere Kenya. Qu'il cesse d'être en colère contre ceux qui les doivent. O achaka dingam hande bernde mako metta hado yimbe bende yobata mo yamade mako. Mais de les pardonner. Ama o yafa be. C'est comme si c'est à moi que le Seigneur Jésus s'adresse. Yake o suka kuando Allah do wolwa do bana do am on jawmirao do wolwa nami. Directement. Nden bao man. Ne pensant même pas que je pouvais pardonner ou me soulager de cette colère. De mi numaino ni mi foti mi yafina goddo denbo ha ka di metta beram do itanderam. J'ai senti comment mon cœur s'est apaisé. Banani ka di mi fami bananoi bernde am de iti. Au point de pouvoir oublier tout cela. Ha wartima mi yejiti ku jamando fu. Et lorsqu'il a lancé l'appel, alors que j'avais déjà donné ma vie en Jésus, j'ai levé ma main pour dire que je donne ma vie en Jésus. Donc s'il a fait pour ça, s'il a fait ça pour moi, certainement il le fera aussi pour toi. Une fois de plus, soyez bénis au nom de Jésus.